Bon, bah, on va aller voir parce que la visite est libre et gratuite, donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas de restriction apparemment sur les films, donc je dois pouvoir entrer tranquille. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte à quel point c'est gigantesque. Croyant ou pas, les édifices religieux chrétiens m'ont toujours impressionné. Par leur robustesse, leur grandeur, leur pierre et compagnie, c'est wow. Que je préfère avec les styles normands sur les bâtisses. Et on va aller là-bas, je crois.
va terminer par la cathédrale de Rouen et après on va y aller parce que j'ai plus de batterie. Et je sais même pas quelle heure. Et en plus il est 5h30 donc voilà. On va rentrer dedans et après on est parti. Really immersed in a project. You look up. It's 5 hours later. It's dark outside and your bladder's about to explode because you've been so focused on what you've been doing. Now, if this is so great, why don't we do this all the time? The answer? We get in our own way. We get caught up in regretting things from the past, worrying about what we're going to do in the future. 50% of the time, even when we're daydreaming about that perfect Hawaiian vacation, we're no happier than when we're in the present moment. Je sais que je suis pas très religieuse ou quoi, mais je trouvais sympa, c'est un peu l'histoire de Rouen, c'est très religieux, les cathédrales et compagnie, il y en a plein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, donc la chasse Pokémon aussi en complément, qu'on trouve des lieux assez sympas, j'ai essayé de photographier, de filmer les différents Pokéstops, donc oui, je suis bien en train de vlogger en extérieur, ça me dérange moins finalement, mais il va peut-être falloir que j'achète une caméra spéciale. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, donc je vous dis à demain, bisous. Thank you.
Donc finalement, petit passage chez Emma. Donc Adeline, je reviens sur ce que j'ai dit. Finalement, c'est vrai, quand je ne vais pas avec mon copain qui est pas motivé pour y aller, qui trouve tout moche, et ben finalement moi aussi je trouve des trucs sympas. Donc j'ai trouvé ça à grignoter et ça pour faire un DIY, pour faire une déco avec de la nourriture pour ce week-end. Mais je pense que j'y retournerai pour acheter 2-3 bricoles pour quelques cadeaux de Noël. Voilà, donc là je vous laisse définitivement et je vais vraiment partir. Donc finalement mon bus est dans 37 minutes, donc ça me fait chier d'attendre, donc je vais aller rentrer en marchant. Je vais voir si je peux choper un bus en route, mais j'ai pas du tout envie d'attendre, ça me fait chier. Donc voilà, on verra avec mes chaussures si j'arrive à marcher aussi bien. On verra. Bon, je capitule, j'ai assez marché, maintenant je vais attendre le bus en espérant que ça soit pas trop en retard. J'ai manqué. Donc là, je sais pas combien de distance j'ai fait, mais il y a longtemps que j'ai pas marché comme ça. En tout cas, ça fait bien de faire un peu de sport.